Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis venue exprès à Notre-Dame de Paris, parce que c'est un monument pour nous tous, ces Parisiens. Et ça nous fait mal au cœur ici que ça parte littéralement en fumée. On a vu les photos, on a vu les vidéos. Et je suis chrétienne, non pratiquante, mais je suis venue me recueillir ici avec les chrétiens, chanter des louanges. Et on prie aussi pour tous les pompiers qui sont sur les tours. Et on les voit avec leurs lampes de poche. On espère sincèrement que l'édifice ne va pas s'effondrer et que les pompiers ressortiront sains et saufs. On fait notre prière. Ouais, ça me fait de la peine, ça fait beaucoup de peine en fait. Parce que Notre-Dame, ça fait partie vraiment de... Je sais pas, c'est l'âme de Paris, quoi. C'est un chef-d'œuvre qui s'en va en fumée, littéralement. Everybody comes to see Notre-Dame. It's iconic and it's almost gone. How can you explain that? C'est un choc de voir ce qui se passe là. Et j'espère quand même qu'on va savoir très vite qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà. Donc pour l'instant, on peut pas. On est au début de l'enquête. Il faut attendre d'abord qu'est-ce qui va se passer. Voilà. C'est une grande tristesse ce soir. The metal, on the tower. Yes, it's normal.